I'm going to start with myself again. So my name is Moncam, Vincent Moncam. Oui, oui. And oui, alors je t'entends. Oh, if I go back, my full name is Vincent de Paul Tientje Moncam. And I mainly use Moncam and sometimes Tientje as well. So Bamileke born in the central region of Cameroon in the city called Mbalmayo. For the one who knows, you know, it's very close to Yaoundé, going by the Simalin Airport. And I grew up over there. And, you know, my mom and dad are from the Bamileke region. So mom is 50% Bamileke and 50% from the whole town, which is used to be called Victoria. Now it's called Limbe. And my dad is 100% Bamileke. So one side is from a village called Koba, and then the other side, a village called Komako, which is again going towards the national road going to Yabasi. And mom, Bamileke side is in Fonjanti, just by the Baku, not far to Babone, free, probably about 20 minutes to Babone. So I'm based in London, and I'm part of the group called Connected Grassfield. So we discuss in our chat group all the time. And then we are also part of the Bamileke Legacy, awesome idea founded by our sister Queen Mother. And then we reconnect anyway, Facebook, chat, and WhatsApp and everything. So this is me. Who would like to go next to introduce themselves? You want to say it in French so they will know? Like, okay. Let me just. Sorry, I forgot. Sorry. Ok, je me réintroduis encore en français. Donc, mon nom de naissance, c'est Vincent de Paul Tientje Moncam. Donc, j'utilise plus le nom Tientje et Moncam. Je suis Bamileke, né dans la région du centre, en Mbalmayo, juste à côté de Yaoundé, du côté de Simalène. Et j'ai grandi en Mbalmayo. Et mes parents viennent de l'ouest du Cameroun. Donc, mon père est 100% Bafan, séparé dans deux villages. Un village qu'on appelle Koba et l'autre village qu'on appelle Komako. Donc, la route qui va à Yabasi. Et ma mère, elle vient de Fonjanti du côté de son père. Et de sa mère, elle vient de Limbé. Donc, voilà, je suis basé à Londres. Et je me reconnais qu'avec des frères Bamileke sur des plateformes. Par exemple, Facebook Bamileke Legacy, qui a été créé par notre sœur Queen Modern Desi, et par The Reconnected Grassfield. C'est un groupe WhatsApp que nous discutons chaque fois, de la culture, on pose toutes les questions possibles, quoi. Et aussi la chat qu'on a aujourd'hui, qui est la Reconnection Chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, quoi. Thank you, Moncam. Helene has joined us. Helene, if you could start by introducing yourself. Have the women of your group introduce themselves. Could you hear me, Helene? Oh, go ahead, Babette. Hello. Yes. Do you hear me? Yes, I think it's a little delay, but I can hear you. Okay. I'm going to speak in French. I hope Vincent de Paul. Translate. Sure. Definitely. Je suis Babette Jomo Wenkak. Et je. Je suis
Née quelques kilomètres, 5 kilomètres, je crois, à côté de Bafang. Et j'ai grandi à Douala. Et aujourd'hui, je vis à Paris. Je suis arrivée à Paris à l'âge de 18 ans. Mes parents, donc c'est... de mon père Sointou et Moka. Voilà, donc voilà ce que je voudrais que je peux dire. Ok, je vais déjà traduire. So, my name is Babette Njomo Wankap. I was born in the just 5 minutes outside Bafang. And I've been in Paris since I was 18 years old. And my dad is from the area as well. And continue encore, Babette, s'il te plaît. Yes. Oui. Et je redis où je continue. Just to add up, Babette grew up in Douala. She was born in the Bamlake area, but she grew up in Douala before. Le son. Allô? Oui, je ne vous entends pas toujours, donc ça coupe pour moi. Ah ouais, c'est pareil, chez nous, ça coupe un peu. Ok. Je peux continuer avec la présentation que tu as fait la semaine dernière. D'accord. Ok, so... oui, exactement. She's based in Paris at the moment. She's been there from when she was 18 years old. Her dad used to be a mayor of Bafang. So, and then she moved, she lives in Douala as well. So she's ready for any question. You guys gonna ask any question, yeah. Okay, Queen Mother, it's yours. All right, is there anyone else, Babette, from your group that would like to introduce themselves? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui veut s'introduire, Babette, dans ton groupe? Donc, Babette, tu es la présidente des femmes de l'Alliance Alliance des filles. Hélène. OK, c'est Hélène. Hélène. OK. So, Hélène vient d'introduire herself. OK. Hélène? Can you hear me? Tu nous entends? Hélène? Anyone else in Babette groups who want to introduce themselves? Anyone from the... Kamta? You want to ask Kamta? Kamta. Oh, okay. Bonsoir. Oui. Moi, c'est Edith Love Chouaké. Mm-hmm. Oui, je suis présentement à Buckcliff, à 40 minutes de Manchester. Je suis là pour les congés auprès de mes enfants et petits-enfants. Mm-hmm. Mère, je suis née à Bafang, à l'hôpital de Banque à l'époque, en 70. Okay. Oui, et je suis de... Ma mère est Bassu de Banja. Uh-huh. Mon père est Ndongo de Banja. Donc, je suis... Attends, je vais actualiser ça déjà. Banja, c'est Manchester, c'est en Angleterre, c'est ça? Oui. OK. Ouais, ouais. C'est quoi ton nom encore? Edith Love Chouaké. OK. So, my name is Edith Love Chouaké.
and I was born in the Bamlake area. So I'm presently in the small town near Manchester in the UK. I'm visiting my daughter and my granddaughter. So my dad, my dad is from a village in Banja. Banja is close to Bafang. It's in the open camp. And my mom is from the same area as well, from Banja as well, but different village or different town. Different town, like yes. Quartier, no? Yes, quartier, different quartier. Different town in the same village. Yes. Exactly. Okay, vas-y. Oui. Je suis introduite ici par Hélène Bielle. Mm-hmm. Oui, parce qu'elle m'a parlé de ce forum, de ce meeting qui devait avoir lieu ce soir à 18h, raison pour laquelle je me suis connectée pour participer à ce qui est l'émergence de la tradition bamléké. OK. Parce que je fais partie d'un peu des rites bamléké. OK. Oh, wow. So I was introduced to this meeting by Hélène Bielle. So she told me that there was a meeting today speaking about Bamlake tradition, and I'm glad to be part of that because I know a lot bit about Bamlake culture, rage, and you know everything. So that's why she's here. She's here for. So attends, te pose une question. I'm just going to ask a quick question. So tu es basé au Cameroun et tu es en visite à Manchester ou alors tu es à Manchester? Okay, je suis basé à Melon au Cameroun. Okay. Ouais. À côté de Consamba. Oui, à côté de Consamba, à 500 francs de Bafang. OK. Ouais. Donc, je suis basée là-bas. Je suis là pour mon congé. Mm-hmm. Je suis venue visiter, comme j'ai dit tantôt, visiter les enfants. OK. Ouais. So, yeah, she's based in Cameroon, in the city called Melon. Melon is in the Mongo division. It's very close to Bafang. It's 500 CFA. From there to Bafang. People who doesn't know the geography, Bafang is the closest town to the littoral. Yeah. Bordering the littoral by Melon. And so it's very close. So she's based in over there, but she's over here in the UK to visit her children and her grandchildren. Yeah. Thank you for joining us today, Kamta. No, it's not Kamta. It's Shoaki. Kamta hasn't speak yet. It's Shoaki. She's a different person. Kamta is the tram. C'est le téléphone, c'est l'appareil de mon beau-fils que je suis en train d'utiliser. So Kamta is the phone. Okay. It's Kamta on the phone because it's okay. Is her son-in-law phone she's using. Okay. Zoom she's using. I'm renaming you. My apologies. Okay. And I'm texting Kelly. She's trying to connect. She's having issues connecting her audio, but we are going to proceed. Okay. Is there anyone else from the organization of women? I think it's not, we are only three. Okay. Today. Well, we can begin. So thank you all for joining us. Len today. And I. Okay. Can I say something, please? I'm with you. Yes. Yeah, sure. 8 p.m. in Paris. So I will leave in something like 40 minutes. Okay. Thank you for your time. Thank you. Well, we started off by watching a video about what makes the Bamlake people special as a whole. Can one of you answer what makes the Bamlake woman special? What is she known for? OK, nous avons commencé à regarder la vidéo qui déterminait ce qui rend les Bamlake vraiment des personnes spéciales. Alors, selon vous, qu'est-ce qui rend la femme Bamlake vraiment spéciale? Oui.
Primo, the question, is it for everyone or is it for the member? For anyone from the panel that wants to answer. La question, c'est n'importe qui veut répondre à la question. Anyone in the room. N'importe qui. Notre grande sœur Edith va peut-être dire quelque chose. Ah, d'accord, merci. Moi, je pense que ce qui rend la femme bamiléké, ce qui fait la différence en la femme bamiléké, ce sont d'abord ses origines. Okay. La femme bamiléké suit beaucoup ses origines. C'est ce que j'ai remarqué. Okay, so the first thing will make a Bamileke woman different is that the Bamileke is their origin. Mm-hmm. The Bamileke woman, they follow their origin. They know who they are. Yeah. Elles savent qui elles sont, c'est ça? Elles cherchent à savoir qui elles sont. Elles aiment bien savoir qui elles sont. Yeah, they always want to know who they are. Ouais, et puis elles sont un peu trop respectueuses. Elles sont un peu très respectueuses, même comme le monde est en train de changer. Mais quand tu es dans un milieu, tu reconnais facilement une femme bamiléké, vu sa façon de faire. Elle ne se lâche pas, elle se retient, elle est un peu... Elle ne s'ouvre pas trop, elle ne se lâche pas, disons. Ok. Oui, elle a un peu la crainte de son intérieur, de son corps. Ok. Oui. So, even with all the change we actually witnessed today, if you get somewhere, and then you definitely gonna identify a Bamileke woman because they still got that sense of respect. You know, the way they behave themselves, they don't actually kind of like open themselves a lot. So to be able to get something from the family, you need to be really, you need to know the person, so they're not going to be opening them that easy. So she's kind of reserved and she has to get to know you. Exactly. I just assume everything. Yeah, exactly. Donc, t'es toujours là? Oui, je suis là. Elle vient de rajouter donc que la femme bamiléké, elle est une femme qui est bien réservée. Donc, avant vraiment de s'adonner, elle doit te connaître. C'est vrai. C'est vrai. OK. She confirmed me again. Yeah. It's true. C'est vrai. Okay. C'est vrai. Elle réfléchit. Elle ne se lasse pas. Elle ne se laisse pas n'importe comment. Ouais. Est-ce que je peux... Mais la plupart. I think Babette want to add something. Allô, Babette, what? Oui. Oui, c'est une question tellement large. Effectivement, je rejoins notre sœur Edith sur l'attachement de la femme bamiléké à ses origines. Mm-hmm. C'est vrai. Donc, du coup, c'est une femme... qui a des valeurs principalement centrées autour du respect de la famille, la place de la famille, respect de son environnement, donc l'environnement global, au-delà de sa famille. Uh-huh. Donc, ça veut dire aussi respect, quand je dis environnement, c'est aussi vraiment l'humanité, l'espace géographique dans lequel elle se trouve. Okay. Et le respect de la tradition. Attends, j'ai donc traduit. C'est une femme dans une. Attends, je traduis puis on va continuer. Ok. Donc, she's saying that the Bamileke woman's issue had to ask. The Bamileke woman got very, very sense of respect to the family, so everything is centered around her family, around even outside the family, around everybody around her, and that's how you're going to identify a Bamileke woman. Okay. Vas-y, she's still going. Vas-y, Babette.
Vas-y, on t'écoute, Babette, vas-y. D'accord. Donc, le travail pour elle, c'est très fortement ancré parce que quand on voit les femmes depuis les générations, par exemple, si je remonte moi à mes grands-parents, simplement une femme au foyer, elle a toujours été la maman et aussi à l'époque, l'accompagnatrice de son époux dans le travail. Donc, ce n'est pas la femme qui va croiser ses bras et juste s'occuper des enfants. Elle s'occupe des enfants et elle travaille aussi à l'extérieur du foyer. Donc, anciennement, donc, c'était souvent donc, les travaux de champ avec le mari. Et puis, dans le monde moderne maintenant, dans les couples, elle a toujours un travail à l'extérieur, en plus ben, de l'activité de son mari. OK. Donc, ça c'est pour ses valeurs, en fait, on peut dire ça, résumé, le travail, le respect et la famille. OK. So, to resume everything, Bamleke woman is three things, is the work, is the respect and family. And then she had also saying that going back 2 years ago, so the Bamleke woman was likely the woman who was going to be doing the work in the farm while the husband was going to be doing other job to hold the family. But now the Bamleke woman, they're only doing that job, but they're also working towards helping the whole family together. So she's really a pillar of the family. So she actually do all the work with the husband. And that one, you can identify a Bamleke woman. Thank you so much, Babette. I don't know if I forgot anything. We got a sister, Krista, who just came in. She's a very, very good interpreter. She'll be able to help also. If I forgot anything, feel free to jump in, Krista, sister, yeah? Okay, no problem. It's good so far. Thank you. Thank you, Christian. All right. Any questions from the floor? Okay. And au niveau du comportement. Okay. Vas-y. So she want to add something. Au niveau du comportement, c'était? Oui. Ce qui distingue vraiment la femme Bamileke des femmes. On va dire des autres femmes au niveau du comportement, parce que c'est vraiment très spécifique, c'est l'attitude en fait des femmes Bamleke. Elles ont quelque chose qui va aller chercher la dignité en fait dans leur façon de se tenir, leur posture quand elles sont debout, quand elles sont assises, quand elles prennent la parole en public. Elles sont très posées. Elles sont assez. En fait, elles se comportent de manière vraiment très. Un peu. Comme si elles recherchaient de la sagesse dans leur comportement et vraiment la dignité dans leur comportement. Okay. Donc, pas d'éclaboussement, pas de. La femme Bamileke, elle ne va pas élever la voix fort, par exemple. Elle ne va pas crier. Elle ne va pas se trouver dans des situations de conflit où elle va se bagarrer physiquement, faire des luttes avec les autres. Donc, c'est la femme vraiment qui recherche la dignité en société. Okay. Voilà. So, to add it again, the Bamleke woman, you're going to notice Bamleke woman about the attitude, they behave, when they want to speak, when they speak about something, they're not going to be shouting. They're not going to be fighting to get the respect. The way they speak, you can see that the way they behave, there's a lot of value on that. So they're not the kind of women who are very, very loud. We're going to always fight to try and get their place, to try to establish their place. Oui, et je voudrais dire aussi un mot par rapport à la femme Bamileke. Okay. Elle est maman poule.
Donc, elle s'est couvrée sa famille. Elle s'est couvrée. Elle n'aime pas éclabousser sa famille. Elle aime couvrir. Couvrir son mari, couvrir ses enfants, couvrir la saleté qui règne. Elle n'expose pas, elle vit comme ça. Ouais, ouais. Donc, si je comprends très bien, tu ne veux pas la dire que si dans la maison, il y a des choses qui ne marchent pas, elle ne va pas aller dire ça dehors. Oui, oui. Ça, elle se lave en famille. Ça se lave en famille. Okay. Quand elle le fait, ce que c'est, elle a été vraiment débordée. Okay. Mais il y a des moments, quand je vois ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans le foyer de mes parents, tout, même quand le père faisait n'importe quoi, tu entendais, mais elle ne pouvait pas te dire exactement ce qui se passe. Tu sentais qu'elle est affectée, mais elle appuyait, elle... Oui, c'est un peu ça. So, something she just had, which I probably must relate to that. She says that in the Bamileke woman, she's the woman that she's not going to disclose anything outside. Doesn't matter what happened in the family. She always there to cover the children, to cover everyone, to cover the husband, everything. So you may live in a Bamileke house, like she said herself, when in the family, she used to notice that there was something going on between mom and dad, but nobody spoke about it. She never knew till today that there was something. And then personally related to that because my parents, I'm not sure that they never had any problem, but I've never knew any problem in the house. You know, I've still today, you know, I've never heard my mom and dad argue when dad was still alive. I've never knew anything, but probably that doesn't mean that they probably doesn't have any problem. But when the problem is there, we don't know. We don't know. So that's what she says. Okay, so can I ask a question then? Yes, please. Yes, please. Go ahead. Okay. Should I ask in French or in English? You can. Okay, I'll ask. You can do both. In French. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Alors, je voudrais savoir. Oui. Excusez-moi. Excusez-moi. Je viens de m'introduire. Depuis tout à l'heure, j'arrivais pas. Je viens de faire une manie qui m'a introduit à la réunion. Vraiment, je suis honorée. Je suis Chamberline Moumeni, camerounaise. OK. Allô? Allô, yeah. So, she's including herself. She was trying to get in the meeting and then it wasn't working. She managed to finally get her and then us. And then she's so privileged to be here. Her name is Chamberline. C'est quoi le nom de famille encore? Moumeni. Moumeni. Moumeni, yeah. So, tu es jumelle alors, c'est ça? Oui, je suis jumelle. Okay, so her name is Moumeni. In the Bamileke, when you see somebody with the name N-I at the end, there may be a twin. Yeah, I don't... c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ou alors le petit frère des jumeaux, ou la petite sœur. Yes, it's either that if you see somebody called Moumeni, Kameni, Chameni, Chouameni, I don't know the other. It could be that the person is twin, or the person is the younger brother or the younger sister of a twin. So there's a twin before them people. Yeah. That's great to know. And that can, that'll be an additional question later. We'll let you answer your question. But we want to know, why are twins, especially the mother of twins, so highly valued and respected in the Bamileke community? We'll ask that later, but we'll go to your question, Chris. Is it Christian? Christian, yes. Hello. Oui. Merci beaucoup. En fait, je voudrais savoir, comme la femme, normalement, elle ne parle pas des problèmes dans son mariage ou dans sa famille, est-ce que c'est hors de la culture Bamileke d'aller au conseiller, par exemple, conseiller de mariage ou quelque chose comme ça? Good question. Est-ce que c'est... Ouais. Allô? 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 Est-ce que c'est dans la culture, c'est ça? Oui, est-ce que hors de la culture? Oui.
d'aller au conseiller de mariage ou parler, par exemple, à la, au pasteur ou je ne sais pas. Ou peut-être. Ah, alors, moi je veux bien commencer à répondre à cette question, mais peut-être que mes sœurs qui sont ici, au niveau de la culture, effectivement, Edith l'a dit tout à l'heure, la femme... elle a tendance à protéger, couvrir en fait les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle aura tendance à vouloir régler d'abord en interne. Et quand ça la dépasse, elle va à l'extérieur. Et l'extérieur, en général, c'est souvent le cercle direct. Ouais. Donc, c'est encore au sein de la famille, la grande famille, qu'elle va aller chercher quelques personnes, des figures importantes et sages pour essayer de résoudre les problèmes de la famille. Alors maintenant, oui, elle peut sortir de la culture parce que la femme bamileke se montre quand même plutôt ouverte. Il est possible qu'elle sorte de la culture pour aller chercher, par exemple, des amis ou bien oui un pasteur comme oui bonsoir moi c'est vous l'avez évoqué oui. Allô can I get everyone who... I'm gonna mute some people when we're not talking je pense que dans notre Allô? Société moderne, autour de moi, les femmes n'ont pas l'habitude d'aller chercher un conseiller conjugal ou bien une personne pour résoudre leurs problèmes de couple. Donc, c'est pas très dans les habitudes de la femme d'Amérique d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Est-ce que oui, c'est clair. Merci beaucoup. Tout le monde a entendu. Lisa, you can try this in English now because you got the word. Okay, no problem. So the question I asked was, is it therefore outside of the Bamileke culture for women to go to a marriage counselor or maybe to the pastor in case they have marital problems? So that was my question. And she responded by saying that generally, it's not necessarily a part of the culture. So if they can't work it out at home, they might go to close family members, so persons within the circle. So it's generally still kept within the family. So somebody who is wise, who can give good advice, they would go to them to get counsel. But if there are some women who are open, and Bamileke women are also open, so you may find they might go to a counselor, but it's not very common. That's what I get from what she said. You can add here if I'm missing anything, Moncam. I think you. Je peux intervenir un peu. Okay, she's gonna add something on your question, sister. Please. Oui. Bon, quand je vois notre culture. Quand je vois la culture bamileke, les filles allaient en mariage à 14-15 ans. Et les filles allaient en mariage à travers les amis dont ton papa donnait, quand on est là, on te mettait au monde, il y a un monsieur qui vient dans une autre concession, qui vient, il dépose le bois. Si c'est une fille, c'est sa femme. La fille qui naît là-bas revient à ce monsieur. Donc, cette fille va dans la famille de celui qui a déposé le fagot de bois. Ce qui fait que la femme était déjà prise comme ça. Donc, avait déjà le dessus. L'homme avait déjà le dessus sur la femme. Ce qui fait que la femme ne marchait que selon ce qu'on lui demandait de faire. Donc, ce qui fait que la femme a été obligée. Donc, cette culture est restée dans le sang bamileke, de la domination, donc domination de l'homme par la femme, dont la femme devait être soumise dès la naissance.
Dès la naissance, la femme était soumise, ce qui fait qu'elle devait garder tout ce qu'on lui faisait, garder cela en elle, même si elle subissait n'importe quoi dans son foyer, même si elle subit n'importe quoi dans son foyer, elle garde ça pour elle. Ce qui fait que ça, c'est entré dans nos gènes. Okay. C'est entré dans nos gènes. Parce qu'on a vu comment nos parents, nos grands-parents, ainsi de suite, nos grandes-mères ont grandi dans leur foyer. Et nos parents aussi, parce que mon papa était polygame. Mon papa était polygame, je me rappelle quand mon papa venait avec une seconde femme, il ne demandait pas l'avis de celle qui était là. Vous restez un soir, il vient te dire à toi, celle qui est à la maison, prends la valise ici, mets cette femme là où tu voudrais qu'elle reste. Et c'est comme ça que ça vivait chez nous. Mm-hmm. Oui, ou bien il y a des moments où il aimait une femme, il te dit à toi, les deux autres femmes qui sont à la maison, allez dans telle concession, je veux la fille qui s'appelle comme ça, ramenez-la à moi. Donc vous, les femmes, c'est vous qui allez chercher votre épouse pour venir avec. Ce qui fait que vous marchez selon ce que votre mari vous disait. Donc c'est cette culture que nous, c'est rentré et c'est resté dans nos gènes. Okay. Oui, c'est ce que je voulais ajouter à ça. C'est resté dans nos gènes. Et ça fait des tests l'homme a obligé la femme de garder, de couvrir. Donc, dans la polygamie, parce qu'il y avait plein de dans la polygamie, chaque femme était obligée de couvrir couvrir son foyer, couvrir sa maison, couvrir sa toiture, quoi. Est-ce que je peux dire quelque chose pour rebondir un petit peu sur ce qu'on essaie de traduire? Après, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. So, Tristan, you want to go ahead or should I go ahead? Okay, I'll just summarize what she said. So, she wanted to add that it's kind of inculcated in them as women how to cover the man and to not to divulge things or bring it out in the open. Because from they were young, they grew up and they saw their grandmothers, their mothers, you know, being submissive to their husbands and so on. And she said that she grew up in a polygamy family. So how it was is like the man would just bring a woman with the baggage and luggage and say, child, move this and put her here and so on. So the woman really didn't have a choice in this. And also she said for her, when her father took on a second wife, he did not ask her mother for counsel or opinion, you know, he just did it and she covered him. So it's like in the culture, it's just inculcated. You just cover your family. I hope I did not miss anything. No, you asked anything. I just got okay. Sister wanted to add something. Vas-y. Thank you, Chris. Thank you. You actually explained it correctly. Thank you very much. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ça? Bien sûr. Parce que, en fait, dans le cas d'une polygamie, lorsque ça se passait dans les normes, mm-hmm. l'homme d'abord demandait la permission. Il s'entendait avec la première épouse. Mm-hmm. Et c'est avec l'aval de la première épouse qu'il allait maintenant chercher une seconde épouse. Et quand il allait chercher la seconde épouse, la première épouse était là normalement. Lorsque ça se passait bien, lorsque c'était fait dans les normes, mm-hmm. il allait demander la main de l'autre femme avec sa première épouse. Okay. Ce qui voulait dire que cette dernière était d'accord et que, voilà, elle l'a balisé, quoi. Okay. Maintenant, bon, bien sûr, comme dans toute situation, il est possible qu'il y ait quelques... ça peut avoir qu'il y ait quelques petites adaptations. Ça va maintenant être du cas par cas. OK. All right. Voilà. So, she just want to add that in terms of polygamous. So it used to be that the first wife, I mean the wife, and she was okay with that. So they used to go together with the husband to actually ask for the second one. So they was all okay with that. It was something they discussed and then they agreed that, okay, we're going to bring a second woman in the marriage. But now it doesn't quite go that way. So sometimes
people will just go and do just like the sister Christian just add that the our sister said her dad just brought the woman to the baggage in the house. So some men would be doing that today. And then they still get away with that because like the woman have to just cover everything. She's not going to go there and say, oh, I'm not okay with that. She had to cover even if she's not happy with that. Je voudrais savoir s'il est possible, excusez-moi, oui. Excusez-moi pour mon retard et tout. Bon, il y a Chamberlain, une de nos sœurs qui est là, mais pour un court moment, elle nous a rejoint pour un court moment parce qu'elle-même, elle est prise sur une autre réunion. Okay. Je ne sais pas si c'est possible de passer au point spiritualité avec elle. Okay. Pour qu'elle puisse un petit peu exposer certains points avant de retourner. Avant de retourner sur le sujet, ok. Ok, she just wanted to ask because she got one of our sister, Chamberlain, she's in the meeting with us at the moment. She's not going to be very long because she's also in a different meeting. She just wanted to know if there's any possibility that we can actually speak with her about the spirituality and then we can go back to the subject we're talking about at the moment so she can at least get a say on the meeting before she goes. Yes, that was a special request question I received. Okay. Chamberlain is spirituality. Mm-hmm. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Allez-y, Chamberlain. Bon, je ne sais pas concernant la spiritualité. Concernant la coutume de chez nous, beaucoup plus du côté spirituel. Bon, je ne m'y connais pas trop, mais moi, étant donné que je vais aller dans 3 semaines là au Cameroun pour une intronisation du côté de ma mère, je vais hériter mon arrière-grand-mère maternelle, okay. La mère de ma mère, la mère de ma mère, oui. Et en plus de ça, je profite, on profite pour pouvoir déterrer le crâne de ma grand-mère qui est morte il y a en 2017 et on profite de ça pour déterrer son crâne. Okay. Et ce côté spirituel des crânes a été chez nous dans les pays bamileke depuis de longues années. J'essaie un peu d'expliquer, après on va partir à partir de ce côté-là quoi. So she's saying that she doesn't have a massive knowledge on the spirituality. But she's actually going to be involved in a succession. She's going in Cameroon in about 2 weeks, and then she's gonna be a successor of her grandmother, because in the Bamileke women they can succeed to their mom, so they also got successor in the family. So she can succeed on her grandmother, which means that she's going to be the head of all the children from her grandmother, her cousin, ladies, women, girls, and all that. So she's going to be the one actually leading that side of the family. And then she's going to go there. She's going to have an opportunity also to do what they call the skull ritual. She's going to do that. They're going to remove the skull of her grandmother. We're going to be involved on the ceremony. And then she's going to start speaking about it. Okay, donc, vas-y, on t'écoute. Ok, on était au niveau de crâne, c'est ça? Allô? Allô? I think she may have been muted. Allô? Yeah. On était au niveau d'éterrer le crâne de ta grand-mère. Donc, tu vas succéder. Tu succèdes à ta grand-mère, ce qui veut dire que tu... Non, je ne succède pas à ma grand-mère. Okay. Je succède à la mère de ma grand-mère. Ok, à la mère de ta grand-mère. Je vais, Oui, mon arrière-grand-mère. Donc, ce qui veut dire que tu seras, disons que, la reine de tous les enfants de ton arrière. Tout à fait. Ok, voilà. Tout à fait. Tout voilà. À fait. Pas juste les enfants de ta grand-mère, mais de ses sœurs. De ses... tout le monde, en fait, du côté de ma mère. Et de ta mère. Ok, cool. Ouais. Donc, c'est... Allô? Ouais, on t'écoute. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est... Déterrer le crâne, c'est quelque chose... pas de banal chez nous.
mais c'est quelque chose qui a été implanté depuis le temps par nos aïeux, qu'aujourd'hui, il y a certains qui banalisent ça. Par exemple, du côté de mon père, il n'aime pas entendre parler de ça. Déterrer de crâne, ce n'est pas leur histoire. Bon, mais du côté de ma mère, on continue avec cette lignée, ce qui fait que c'est un événement suprême, grandiose, que nous, on est en train d'organiser en grande pompe, vu avec mon intronisation, que ce n'est pas une petite intronisation, on me l'a dit. Donc, c'est quelque chose aussi de très, très, qui vient de nos aïeux et que aujourd'hui, beaucoup banalisent ça aussi. Et quand on banalise ça, ça repercute sur la famille, ça repercute sur les enfants, ça repercute sur nos petits-enfants. Okay. Et moi, par exemple, j'ai banalisé et on me l'a dit, ça fait 15 ans en arrière que je refusais. Et là, j'ai pris la main, j'ai dit, je vais le faire parce que les répercussions sur mes cousins, mes frères, mes sœurs, on le voit à l'œil nu. Et moi, j'ai dit, bon, si c'est la tradition, je vais m'y mettre et je vais aller comme la tradition demande, quoi. Donc, c'est quelque chose de pieux chez nous. C'est une culture que vraiment, il faut soutenir, quoi. Ça entre dans nos mœurs. Okay. Et ça entre dans nos mœurs. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, en quelque sorte. OK. So, yes, she's going in Cameroon and then she's going to succeed her great-grandmother. Okay, going back to that succession again, she's going to be the head of everyone in her family, her mom's family. So her cousin, her uncles, and coming from her mom's family, she's going to succeed to them people. And then the most important thing is the skull ritual. She's going to be going for that. So she says that is something which is very important. A lot of tradition today, a lot of people, they actually kind of like neglect that part. They don't want to be taking part of that. They mock that ritual. But it's very, very important because if you don't follow that ritual, there may be like consequences. So there may be things happening. Like herself, she's supposed to be doing that like 15 years ago. She was kind of like pushing it back. She didn't want to do that. But she thought that because obviously it's something which is not actually been done only today. It's something the ancestor was doing like a couple of years, long, 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 long time ago. And then she just had to follow up with that. In her dad's family, they don't believe on that. They don't really want to do that. But she believed that she have to do that to save anything happening to the family. And yeah. I'm just going to ask her what side of the family her dad is from, because she said on her dad's side we don't believe, because I know that all the Bamileke they believe on that. So si je peux te poser une question, ton père vient de quel côté? Ton père est Bamileke aussi? Oui, mon père est Bamileke. Et tout en sachant que c'est pas seulement les Bamileke qui déterrent le crâne, hein? Chez nous au Cameroun, il n'y a pas que les Bamileke. Bon, je parle, j'accentue beaucoup plus du côté Bamileke parce que je suis Bamileke. Okay. Oui, je voudrais dire ceci, que il y a, comme M. Monkam le dit, avec la religion, les histoires des églises réveillées, les histoires de ceci, le born again, tout ce qui est venu avec la Bible, il y a plein de Bamileke qui font ces rites, qui font les religions, des réveillés, des Bibles et tout ça là, qui ne veulent plus retourner. Ils ne veulent plus comprendre qu'ils sortent de quelque part. OK. Et c'est un peu ça. Ils n'aiment pas savoir, ils n'aiment pas accepter. OK. Tellement la Bible leur a rendu qu'ils ne font dingue, que ça. Quoi. C'est comme dingue qu'ils ne font qu'avancer. Et c'est comme ça qu'ils s'engouffrent sans s'en rendre compte. Voilà, oui. Ils s'engouffrent et sans s'en rendre compte. Parce que je dis toujours, même à mes enfants ici, à la maison, que vous avez le sang. Vous n'avez pas le sang. Il a bien vendu le sang de Jésus. Jésus a quel lien avec toi? Tu connais sa famille. Tu sais qu'il sort d'où. Ce n'est qu'un nom que tu as trouvé dans la vie. Et une chapelle qu'on a conçue, une maison qu'on a conçue pour dire que bon, on a fait ceci. On dit voilà telle personne. Mais par contre, moi, tu sais là où ma mère sort. Tu sais là où ma grand-mère sort. Je t'amène au village. Donc, vous savez là où vos liens sortent. Comment est-ce que tu peux te lier à celui que tu ne connais pas? Tu connais que de nom.
Il peut te donner quoi? Tu peux t'agenouiller à 50 ans. Il va te faire quoi? Alors que je reviens à ma soeur Moumeni, que vraiment je t'encourage dans cet élan. Ok. Je t'encourage dans cet élan. Merci. Oui, j'ai été victime. Je vais revenir là-dessus. Okay. J'ai été victime et je t'encourage vraiment. Merci. Wow. Merci beaucoup. C'est bien intéressant. Quoi. So, ok. She just added that. Yes, she actually encouraging the sister who's going to do the skull ritual, because some Bamileke people who actually got involved with Christianity, they kind of like reject that side, and which is very important. And then she says that when you go over there to do the ritual, you're doing that on your ancestor, people you know, your name, people you know, you probably met before the past. But when you believe on all the symbol in the Christian religion, she's talking about the new church and the born again church. When you believe on everything, you don't know who are the, you know, where they came from, everything. You ain't got enough knowledge about that. But the ritual is something. And then she says that she actually witnessed the other side of not probably doing the ritual, and then the implication she had. And then she's going to speak about it after. And just going back again, you know, it's good that we came up with this question, because I myself, I was born Christian. I was born Roman Catholic, and I still follow the Roman Catholic, the Christianity. And then I get confused between the two of them. You know, when you listen to a proper Christian, they say that you cannot adore anybody else than God. You know, so and which means that all the ritual you're doing, you should have been doing that. But I still do my ritual. When I go back home in Cameroon, I still go in the village and I do what I've got to do. And would that be, what do you think about that as a Christian and then still attached to the tradition? Donc, voilà. En tant que, je reviens sur la question. Donc, c'est bien qu'on ait discuté de ça, parce que je suis né catholique. J'ai été servant. Oui. Je continue toujours à suivre l'église chrétienne. Et même quand j'étais jeune, j'allais au village avec les parents. On faisait des trucs que je me rappelle maintenant. Mais les parents étaient toujours catholiques, ils étaient chrétiens. Donc, ils avaient entre les deux, la religion et les traditions africaines. Alors, qu'est-ce que vous pensez en tant que quelqu'un qui est dans la religion et qui pratique aussi les rites traditionnels? Qu'est-ce que vous pensez? Mais par rapport à ça, oui, je ne sais pas si la question est ouverte à tout le monde. Quelqu'un voulait répondre? C'est ouvert. Moi, je voulais dire ceci d'abord. Oui. La religion, quelle qu'en soit la religion qu'on pratique, ça n'impacte pas à nos coutumes. Ça n'impacte pas à nos coutumes. Je suis une pieuse catholique. Okay. Je suis une pieuse, je prie mon Dieu, mais ça n'impacte pas à ce que j'aille, je vais chercher mes siens, je vais là d'où je suis, je viens, que je vais au village me ressourcer, que je croie à nos croyances, quoi. Okay. Ça n'a pas d'impact pour moi. Mais pour certains, peut-être, ils ne veulent pas associer les deux. Mais moi, je vois que ça ne gêne en rien, quoi. Donc, si je comprends bien, notre tradition ne refuse pas la religion. C'est la religion. Pour moi, non. La religion qui refuse. Non, ça ne refuse pas. OK. La tradition ne refuse pas. Et je voudrais dire ceci. Même le prêtre qui est en train de vous évangéliser, même ce prêtre-là, il sait là où il sort. Et quand il finit avec tout à vous, fait, oui. Il rentre dans son... Dans son village, chacun a son village. Okay. Quand tu comprends village, ça veut dire là où tes racines se trouvent. Okay. Donc, tu as là où tes racines se trouvent. Il y a les racines et il y a le livre. Moi, j'appelle la religion le livre. J'appelle là où je sors mes racines. Okay. Le livre, c'est que chacun feuillette, il lit là où ce qui l'intéresse. Il retient le journal et il retient la partie qui l'intéresse. Mais là où tu sors, tu sors de quelque part. Actuellement, vous êtes à Londres. Tu es à Londres. Mais tu sais que tu es de Futuni. C'est ça? De Fondanti.
Fondanti, ouais. Donc, tu sais quand même que je suis de Fondanti. Uh-huh. Hein? Mais tu es à Londres. Tu vas à l'église. Tu as la Bible. Celui qui a écrit Jésus, tu connais où il vit? Mais moi, quand même, je sais que tu vis à Fondanti. Quand tu ne seras pas là, tes restes seront en Fondanti. Hein? Donc, il faudrait que les gens essayent un peu de ne pas être abrutis à ce niveau. Okay. De comprendre la logique des choses. Même le prêtre qui te bénit, il fait ses traditions. Oui. J'en connais plein. J'ai fait 7 ans au séminaire, je sais ce que c'est. Okay. J'ai fait 7 ans d'études au séminaire de Mélan. Oui, je sais, je les palpe tous les temps, les prêtres, les gens. Je ne refuse pas qu'on suive la Bible, mais ne suivons pas, ne suis pas comme un mouton. Ne suivons pas comme des moutons jusqu'à oublier là où nous sortons. Okay. On va peut-être laisser traduire. Ok, voilà. So, she just added because I asked her the question because about my confusion, be a Christian and then be still attached to the my Bamileke spiritually. So she says that the Bamileke doesn't reject any religion. You can be a Christian, you can be a Muslim. And then you can still practice your Bamileke. It's a two thing. The Bamileke is not a religion. What we practice is not a religion. It's where you came from. It's where you started. The religion is something you're learning. And then she went to the university seminaire. C'est comme l'université, non? Oui, c'est un peu. Where they actually educate all the priests, they form the priests. And then she knows so many priests. After they actually finish their service, they're going back to the village to do the Bamileke spiritually tradition and everything. So it's something everybody knows where they came from, and then it's not rejected by the we don't reject that. So everybody knows where they came from. If I can. Effectivement, cela peut être dû au fait que on a essayé de diaboliser la spiritualité africaine pendant longtemps quand les missionnaires sont arrivés afin de pouvoir mieux s'installer. Mais il y a eu une confusion qui s'est installée et ça fait que la spiritualité africaine a été traitée, a été considérée de façon négligeable. Okay. Mais en fait, le bon Dieu, il est partout. C'est le même Dieu qu'il y a partout. Ouais. Et malheureusement, ces églises réveillées, les missionnaires ont fait en sorte que nous nous éloignions petit à petit et même que nous tournions le dos à notre culture et même que cela nous fasse peur. Okay. Le rite des crânes, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, même chez les catholiques, au Mont Athos. Il y a un monastère, un très grand monastère là-bas du côté de la Grèce, qu'on appelle le Mont Athos. Eux là-bas, ils gardent les crânes de plusieurs générations, il y a toute une salle qui est pleine de crânes. Et c'est un monastère où il y a des moines catholiques fervents et où les femmes ne peuvent pas mettre le pied. Ça s'écrit A-T-H-O-S. Vous pouvez aller regarder sur Google. Et ils gardent les crânes depuis des siècles et des siècles. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose de bizarre. On peut considérer ça comme des reliques. Parce que chez les catholiques, on conserve aussi des reliques. Les reliques des os, les reliques d'un membre, même de la tête, Sainte Marie-Madeleine. Il y a son crâne qui est conservé dans le sud de la France. Moi, j'ai fait 3 ans de théologie ici à Paris. J'ai une licence en théologie. Et durant mes cours, durant mon parcours de théologie, on nous a appris que Jésus ne s'était pas manifesté uniquement chez une partie de la population, mais il a pu également se manifester dans les civilisations qu'on dit reculées et tout ça. C'est juste l'interprétation qui change. Donc, oui, nos religions aussi ont de la place et maintenant, c'est à nous de savoir quelle valeur, quelle place leur donner. OK. So, yeah, she just added saying that what happened... Je voudrais dire quelque chose. Ouais. Vas-y, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, moi, j'ai interrogé, c'est une question
très importante qui nous préoccupe tous, parce que nous avons perdu pour la plupart justement des Bamileke aujourd'hui le lien spirituel avec la tradition. Mais le problème, ce n'est, moi j'ai questionné beaucoup de gens sur le sujet. Le problème, ce n'est pas le fait de déterrer les crânes. Ce que j'ai compris, en fait, qui pose problème, vous, mes sœurs l'ont dit, hein, il y a déjà l'histoire de la colonisation, donc d'abord l'esclavage, ensuite la colonisation, où nous avons été dépossédés de nos croyances. Qui pose problème, ce sont les dérives maléfiques autour de cette pratique. Ok. Ancestrale, traditionnelle, par les crânes, c'est ce que les hommes, et comment est-ce que les hommes, et quand je dis les hommes, c'est hommes et femmes, enfin les êtres, les Bamileke, gèrent. Ouais. Tout à l'heure, notre sœur disait par exemple que quand on ne respecte pas cette tradition-là, il y a des impacts dans nos vies, sur des générations, mais... la question que les gens se posent, c'est est-ce que ces impacts-là sont le fait de nos ancêtres réellement, ou est-ce que ce sont les ancêtres qui ont et généré la peur dont Hélène a parlé tout à l'heure. Okay. Donc, c'est une vraie question. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on est divisé là-dessus. Il y a toutes les pratiques. Okay. Effectivement, il y a des familles qui refusent la pratique des crânes, il y en a d'autres qui continuent de le faire, mais on est tous d'accord pour dire que on a perdu notre lien spirituel avec nos pratiques ancestrales. Ces dérives maléfiques dont tu parles sont présentes partout, en Europe, en Afrique. Et donc la vraie question, c'est que les gens... Et quoi? Ok. Malheureusement, il y aura toujours des dérives. Oui, voilà. Donc, malheureusement, et que ce soit même à l'Église, au Vatican, il y a des dérives partout. Donc, hélas, si on pouvait dire que le fait de ne pas déterrer les crânes pouvait faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérives maléfiques, je comprendrais. Mais il y en a, c'est omniprésent, c'est... C'est absolument partout, donc ça ne garantit rien. C'est peut-être une façon de vouloir faire peur aux gens. Voilà, au Mongato, ce monastère où il y a des crânes de plusieurs siècles de personnes qui sont là, pourquoi est-ce que là-bas, effectivement, il n'y aurait pas de dérives? Ok. So, she just added that the... As-tu fini, Babette? I want to go ahead and translate, Monka. Okay, she just... Pardon, j'ai fini. Okay, she just added that she also got a question about the whole thing, because exactly the skull ritual, she says that the reason why some people would believe, some people would not believe, is because we was taken away from our belief when through the slave trade, through colonization as well. So we was taken away from all that. And then that's why today, like sister says that there may be certain thing we're gonna happen if you don't do that. And then she also got a question about that. And then she's actually speaking to people to find out exactly what can be the impact of all that. And then she also saying that, sister Ellen said that in Greece, today there's a monastery who actually carry the skull of ancestor, which is in Greece, in Europe. You know, they got like a room where they got so many ancestors skull in there, where women are not allowed to go over there. And then she also got a question about why there's not any implication of the, you know, if people doesn't actually worship or anything like that. So that's it. Maybe I forgot something. Sister Kristen, you can add it. You know that you're there. Let me add something. As a Bamileke woman that descends from Bamileke from the slave trade, who made her first trip to Cameroon in 2010 after discovering my Bamileke roots. One thing that I was disappointed in when I got to Cameroon
knowing that the land was colonized. And first, let me preface it by saying, I don't mean to offend anyone. Mm-hmm. So if I do, charge it to just my inability to say it eloquently. But I was very disappointed in the number of religious things that I saw there, the cross, the church, pictures of white Jesus. It was very disappointing because I thought I was coming home mm-hmm. to a land that was no longer colonized, but I found myself surrounded by people with colonized mind. Mm-hmm. So the white man had left, but you did not pack his religion up and send it on with him. That was a disappointment. Yes, we as Bamaleke are very inclusive people. We respect the Islamic faith, the Jewish faith, the Christian faith, and you can respect it without taking it on. And in my opinion, as a Bamaleke woman from this side, I see embracing the religion that our ancestors did not embrace as treason against those very ancestors. It is saying they were wrong because they were not enlightened by white people when they came to do what they did to us. So I don't see it possible to be this by day and do our ancestor spirituality by night. You can't worship two gods. Either our ancestors did it right or they did it wrong. And when the colonizers left and went back to England or France, are they practicing our beliefs? If not, why aren't our beliefs good enough for them, but their beliefs are good enough for us? In my opinion, the way in which my ancestors worship is good enough for me. Okay. Alors, donc, pour ajouter... Donc, elle dit qu'effectivement, elle ne veut pas dire ceci pour blesser des gens, mais elle était un peu surprise et un peu déçue lorsqu'elle est arrivée au Cameroun. Après avoir découvert ses racines, qu'elle était camerounaise et bamileke, et elle est venue au Cameroun pour la première fois en 2010. Et lorsqu'elle est arrivée au Cameroun, elle était surprise de voir que il y avait des églises catholiques, il y avait des mosquées, il y avait des croix partout. Et ce qui veut dire que ce n'était pas la religion de ses ancêtres. Donc, elle est un peu déçue. Mmh. Bon, voilà, aujourd'hui, bien que les ancêtres soient... les oppresseurs soient partis, ils ont laissé les empreintes de leur religion. Ils ne sont pas partis, ils sont partis depuis, mais ils ont laissé leur religion. Et elle est aussi déçue que, bon, il y a des gens qui pratiquent... les deux, peut-être que dans la journée, tu fais les traditions africaines, dans la nuit, tu fais la religion. Est-ce que c'était vraiment ce que nos ancêtres faisaient? Et elle veut aussi savoir que, elle dit aussi qu'effectivement, pour une personne qui pratique les deux en même temps, ou bien qui pratique juste la religion des oppresseurs, c'est trahir les ancêtres. Donc, ça veut dire que soit les ancêtres n'avaient pas fait quelque chose de bien. Donc, elle, pour elle, c'est que c'est la religion, c'est la culture africaine, Bamileke, qu'elle a choisi de suivre, quoi. Voilà. And we are going to change gears on that note and get back to some of these questions. OK. Maintenant, on va changer sur les questions. Voilà, on va retourner sur les questions. D'accord. Juste, ça fait partie des RTA, religion traditionnelle africaine. C'est ce qu'on nous disait quand j'étais à la fac de théologie. OK. She says that because she actually studied, she did a theology study. Tout à fait, oui. They call it RT, religion de tradition africaine? Oui, RTA. OK, traditional African religion. Yes. Yeah. In my village and probably in yours too, we practice the spiritual practice of craniology. Okay. The soul rites. So that was good enough for my ancestors. It's good enough for me. I don't need to go to a white man's school to learn what he did to help spread his message. Okay. So I'm about spreading the messages of my people. Okay. Donc, elle dit de son côté, elle choisit un We're going to move on, Monica. Okay, go ahead.
est-ce que je peux dire quelque chose? Voilà. Ok, personnellement pour moi, ce thème est un peu polémique. C'est un peu comment polémique. C'est polémique en nature. Moi, je suis chrétienne. Moi, je ne pense pas comme tout le monde. Je ne pense pas que la religion, c'est une matière de peau, la couleur de peau. Mm-hmm. Je ne me dis pas que ça vient de des blancs ou des noirs. C'est pas ça pour moi. Ok. La croyance. Soit je crois ou soit je crois pas. Okay. Et je pense que chaque personne a le droit de croire ce qu'il croit. Okay. All right, Sister Queen Mother, let me just add Sister Chris and comment. All right, she said that this subject about religion is a little bit a massive polemic for her because she doesn't look religion as a color. She says that because obviously it was mentioned that Christianity or other are the oppressor religion. She says that religion is black, it's white, it's everything. So in the sense that it's linked to be the colonizer or anything like that. So religion is not color. And then she feels that everyone got the right to... I hear and understand that. But the way in which Christianity is practiced today, it is a European corruption of Egyptian beliefs and gods. So that is why I apply color to it. Most, at that time, Europeans were white. And Christianity today is a bad remix of what the Egyptians practice. So when you look at the origins, but this is a topic for another show, a totally different show, but Christianity is practiced today, that belongs to the white man. Okay. Right. Sister Kristen, okay, so what are we gonna do? We're not gonna... If we keep going on this subject, we got one question, we got time for one more question. We're gonna bring it back. In the village, how is the question came to me on chat that we know in Nollywood, in the Nigerian soap operas, a man having an affair on his wife is met with her bringing out knives and stabbing them. That is not how it happens in real life. How does the Bamiliki woman in the village respond when the Bamiliki man steps out? Or are all Bamiliki men faithful? Or all Bamiliki men faithful? Okay. All right. You say the Bamiliki in the village, yeah? In the village. Okay. So, voilà. Donc, la question, c'est que... comment est-ce que la femme Bamiléké répond? Quelle est l'attitude de la femme Bamiléké lorsque le mari est infidèle, lorsqu'il fait des choses qui ne marchent pas? Quelle est l'attitude de la femme Bamiléké? Il y a question pour tout le monde. Hein? Ce que je peux dire, je vais essayer d'apporter juste ma contribution. Excusez-moi, Vincent. Oui, Babette. Comme tu parles, bientôt tu me réponds? Oui. Voilà, Babette. Vous voulez que je réponde à cette question? Voilà, Babette, gonna answer because she's going to partir. Oui. Okay. oui, alors, bon. Vas-y, on t'écoute. C'est très compliqué cette question. Je vais prendre ce que je pense personnellement. Donc d'abord, ce que j'ai vu de mes parents, de mes grands-parents, mes grands-mères et mes mamans, mes tantes, c'est que de vagues. Elles, en fait, elles le supportent. Okay. Elles ne, un peu comme Edith l'a dit tout à l'heure, c'est un problème de couple, donc elles ne vont pas l'exprimer à l'extérieur et elles vont soit le subir. Hein, il y a elles subissent la situation et elles vont très rarement se révolter parce
que quelque part, peut-être que c'est ancré dans nos gènes, un peu comme Edith l'a dit tout à l'heure, que la femme bamileke doit supporter en fait toutes les crises qui peuvent arriver et tout le comportement de son mari qui est plutôt dominateur. Mais ça, c'est ce qu'on voyait dans les générations de nos parents, de nos grands-parents. Maintenant, dans ma génération à moi, j'ai vu autour de moi beaucoup de femmes bamileke qui sont séparées de leur mari, donc qui ont demandé le divorce, se sont, soit si elles n'étaient pas mariées, elles ont quitté leur mari. Et ma position à moi personnelle aujourd'hui, c'est de dire que la fidélité dans le couple, en fait, doit être un contrat mutuel. Et en fait, c'est le fondement du couple. Et c'est la clé de réussite du couple, l'une des clés de réussite. Donc, personnellement, aujourd'hui, à 48 ans, j'exige dans mon couple que tous les deux soyons fidèles et que si ce critère n'est pas rempli, ben, ça peut être une source de séparation. Donc, voilà. Ce qu'il y a... Ok. I can interpret if you want. Ok. Go ahead. Alors, bon, traditionnellement, on supporte et on subit en fait. Okay, so she said that traditionally, Bamileke women in this case would actually submit to their husband, even in the case of infidelity. They wouldn't divulge it or anything. They would basically bear it. And she attributed this to the whole nature of the Bamileke woman. It's been in their gene to be submissive. However, she said that nowadays in our generation, we see where women have filed for divorce, and also you have those who have just separated or revolted, you know, based on infidelity. And it's her personal opinion that fidelity is one of those fundamental aspects of a relationship, and if that is missing, then that is a reason for separation. That is a good reason for separation, basically. Okay. Je peux répondre à cette... Je peux donner ma part de contribution à ce mot. Thank you. Thank you. Vas-y, allez-y. Oui, bon, comme notre sœur l'a dit tantôt, au départ, la question qu'elle a posée, c'était l'infidélité dans le domaine, au village. Donc, je prends le cas du village. Parce que nos femmes, nos parents au village, donc nos mamans même savaient que mon mari est actuellement dans telle chambre, chez telle femme. Et ma copine, parce que les maris même, ils aimaient tricher avec la copine de leur épouse. Et la femme supporte. Elles marchent même ensemble. Elle ne dit rien. Parce que de deux... Les chambres étaient partagées. Donc, l'homme et la femme ne dormaient pas. La femme a sa chambre, le mari a sa chambre. Donc, la nuit, il y a certains couples qui construisent, le père construit deux, il fait une autre porte entre la chambre de la femme et sa chambre pour se rendre visite dans la nuit. Donc, le jour, ça plaît à l'homme. C'est là où il rencontre la femme. La femme n'avait pas le droit de rencontrer son homme. C'est lui, ça le plaît avant qu'il rencontre. Ce qui fait que l'infidélité, la femme bamileke a toujours eu à supporter. Et actuellement, avec notre ère, notre époque, où les enfants ont fréquenté, les livres sont arrivés, l'éducation est arrivée, c'est là où il y a maintenant les filles bamileke ne supportent plus ce point-là, vu ce qu'elles ont appris à l'école. Vu ce qu'elles ont appris à l'école, elles te pratiquent ce qu'elles ont appris à l'école. Elles ne te pratiquent plus les mœurs. OK. Should I go ahead? Please, sister. All right. So, she said she wanted to actually answer your question based on the village perspective. So, yes. If it's within the village, what you'd actually see is that the man
normally would maybe sleep with the friend of the wife. That was common. And the woman, the wife would actually bear it, you know, don't say anything about it, you know. And she also explained that in the culture, the man and the woman did not sleep in the same room. So the room was like separated by a door. This is village traditional. And so the man could actually have somebody in his room. But, you know, the woman would bear it, basically. However, in our era, in this time, with the arrival of books and education, our women, our daughters nowadays, they are not actually supporting this anymore. They're actually pushing it away. They're saying that they don't want it, infidelity. So it's with the coming of the books and so on that has changed. Yes. Et puis, d'après ce que j'ai pu voir quand j'étais au pays, c'est que lorsqu'il y avait des cas d'infidélité, cela se faisait toujours, souvent, dans le respect de l'épouse. C'est-à-dire, ça allait se faire discrètement. Et même lorsque l'épouse... Ok, bon, je vous dis bonsoir à tous. À la prochaine. Merci, Babette. Merci de venir, quoi. Merci beaucoup. So Babette say goodbye to everyone. Okay. And she said goodbye. And we're all getting ready to say goodbye as our 90 minutes has come to a close. It's been a very robust 90 minutes. Donc, je disais que même lorsqu'il arrivait que l'épouse questionne son mari par rapport à cela, il allait toujours, par respect, je pense, nier. Même si c'était évident, même si on l'attrapait la main dans le sac, c'est une image, il allait toujours nier et inventer une histoire. Et nous, on nous disait que c'était par respect qu'il le faisait. Donc, oui, il y a toujours eu des cas d'infidélité, mais qui ont été menés de façon très discrète, très subtile. Très respectueuse. Et voilà, et respectueuse. Respectueuse de la femme pour qu'elle ne soit pas heurtée. Et pour qu'elle ne le sache pas. Et même sa... La concubine même respectait l'épouse. Voilà. Elle respectait l'épouse. La concubine respectait l'épouse. Pas l'époux. OK. Il y a même des histoires chez nous pour rire où l'on trouve l'homme et la femme ensemble, mais l'homme va jurer, pleurer et dire que non, il était juste, il y a tellement d'histoires comme ça qu'il était juste en train de compter les cheveux ou bien de faire je ne sais quoi, mais il n'acceptera pas qu'il faisait autre chose. Okay, I'm going to interpret right here. So, she added, what's your name? Lemupa? Who was it that added again? Hélène. Yes, so Hélène was saying that even though there may have been infidelity, the man normally does it discreetly, and so not to hurt his wife. So normally he would do everything so that she doesn't find out. And also in the case there are concubines or other women, you know, side chicks, they would actually respect the wife, so they'll do everything not to come in between the couple, basically. So, in essence, the men try to be discreet with that. Thank you, sister. Thank you so much. Thank you. Voilà. All right. Did you want to add something else, Eileen? Je voulais rajouter quelque chose par rapport à la vie sociale. Je suis arrivée en retard, excusez-moi. J'ai un peu pris le train en marche, mais j'ai pu suivre qu'on a parlé de la contribution de tout ce que la femme bamiléké peut apporter en ce qui concerne l'aspect social. Elle est le socle, elle est vraiment la clé de voûte de la société et tout tourne grâce à elle. Je ne vais pas dire que tout tourne autour d'elle, mais elle maintient beaucoup de choses en équilibre. Je prendrai juste, je peux l'illustrer même par
déjà par la mère de famille, ce qu'elle fait dans son foyer. Tout. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a déjà été fait. Je ne sais pas si je peux juste me permettre toujours dans cet aspect social de vous dire que ben, il y a une, je vous avais parlé de l'initiative de la route qui a été lancée pour pouvoir réparer les routes d'un village dans l'ouest, dans le pays Bamléké. Donc, Constance va vous faire parvenir le lien pour que vous puissiez ben, y jeter un coup d'œil. Et voilà, votre aide est la bienvenue. Voilà. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. So, Sister Chris, I want to... Oh, okay, I didn't hear the last part about the link. Okay. The last part about the link I didn't hear. So maybe you could add that part. But she was saying that she just wanted to add it. Since she came in late, she doesn't know exactly everything that was discussed, but she just liked to add on in terms of the social aspect of the woman. The woman generally does a lot of things, and she would be like the center of the house. She maintains a lot of things, and she's not trying to say that the Bamileke woman does every single thing, but she basically holds up a lot of things in the family, you know, in terms of what she does at the house and so on. Yes, that's what I remember. And then she talked about a link afterwards. She shared a link with me in the West region around the villages around Bafang. The roads are being redone. And she's asked that I share that in our Grassfields group. It's a GoFundMe, so any donation that you can make to help support having the roads upgraded, I mean, they're treacherous in many, many areas. So I'll be sharing that link directly after this meeting. I would like to thank you all for joining us. Like I said, for 90 minutes of robust conversation, we didn't get to everything, but we covered a lot of ground. I want to thank the ladies of AFFB for coming together for 2 weeks to answer all questions that we had. Now, next, Malcolm, the word on the street that is that you and Tukum and some others are putting together a men's forum. Yes, we're looking at doing something similar. I mean, we quite enjoy the whole two part of the Bamileke woman. Yes. That gave us an idea of putting together something with the Bamileke men. You know, so you girls can also understand our point, you know. So yeah, we're working on that, and then we're gonna when it's ready, we're gonna announce it. Thank you very much, you know. Thank you, everyone. Thank you, ladies of AFFB, and I'll post your link to the group. Thank you. Have a good day, everyone. Thank you. Have a good day, everyone. Bye-bye. Thank you.